Alors les amis, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 d'À la découverte de l'étrange. Aujourd'hui on va s'occuper de la légende urbaine du Wendigo. Entre légende urbaine, l'horreur et le paranormal, où cette légende urbaine se situe? À vous de le définir et à nous d'en discuter dans cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et bien sûr, liker et partager pour aider à référencer les vidéos et le travail que je fais. Et nous, ben place à la vidéo. Allez, c'est parti. Wendigo, c'est en quelque sorte le croque-mitaine des Algonquins, les différents peuples amérindiens du Canada, comme les Cris ou le groupement de peuples des Anishinabés. La légende a évolué depuis son origine, mais le Wendigo est toujours aussi effrayant pour ceux qui croient à son existence. Et les croyances autour de la légende se sont répandues jusqu'en Amérique du Nord. Le Wendigo a plusieurs noms, avec plusieurs prononciations. Les plus communes sont Windigo, Wendigo ou Witiko. À l'origine, on dit que le Wendigo est un esprit malfaisant, cannibale et qui raffole de chair humaine. Il aurait également le pouvoir de transformer les hommes affamés en cannibales. Pour son apparence, elle varie en fonction des peuples et de l'époque. Il est décrit comme une créature géante, ayant parfois le corps gelé. On le décrit aussi comme un être mi-homme, mi-animal, doté d'une grande force et très vigoureux. Et son apparence physique est systématiquement repoussante. La légende est si répandue aujourd'hui qu'on lui prête de très nombreuses apparences. Et on l'assimile même aux Skinwalkers, des sorciers métamorphes capables de se transformer en créatures effrayantes. Le Wendigo vivrait généralement dans les forêts et il apparaîtrait surtout en hiver. Lorsqu'un voyageur ou un marchand itinérant emprunte l'un des chemins enneigés du Nord, il lui arrive de manquer de vivres, de se perdre, ou tout simplement d'être affaibli physiquement. Après une longue marche dans la nature hostile, il peut ressentir la présence du Wendigo, car la température chute brutalement et le vent se lève de manière instantanée. Ainsi, la présence de la créature l'encercle. Et le Wendigo se déplace si rapidement que le pauvre homme peut à peine distinguer l'entité avant d'être dévoré vivant, alors que ses hurlements se perdent au milieu de l'enfer blanc. Autrefois, certains Algonquins vivaient reclus dans des zones très isolées des villes ou villages, et l'hiver, le froid, la maladie et les pénuries de nourriture les effrayaient, car en plus d'être frappés par la misère et la souffrance, ils pensaient représenter des proies de choix pour les Wendigo. Les Wendigo seraient nombreux, et il est dit que leur appétit serait insatiable, car à chaque fois qu'ils dévorent de la chair humaine, ils grandissent, et leur appétit serait alors proportionnel à leur taille, d'où leur éternel appétit pour l'homme. Il existerait plusieurs façons de devenir un Wendigo, en rêvant de lui ou en étant appelé par un esprit de Wendigo dans un rêve, en subissant un rituel de transformation ou encore par le biais d'une malédiction. Le fait de manger de la chair humaine lors d'une famine attirerait également le Wendigo, qui condamnerait sa victime à en devenir un à son tour. La légende fait également mention d'explorateurs métis et français du Canada qui auraient été confrontés au Wendigo, qu'ils auraient confondu avec un loup-garou. D'ailleurs, le Wendigo et son cannibalisme font penser à des créatures bien connues chez nous, comme le zombie, le loup-garou ou encore le vampire. Et puisqu'on peut chercher les origines de nos mythes et légendes, intéressons-nous de plus près aux origines du Wendigo.
De notre point de vue d'occidentaux, la légende du Wendigo s'expliquerait par une combinaison de contextes et de plusieurs causes. On pense que la légende est née du temps où les tribus nordiques manquaient de nourriture lors de l'hiver, et qu'elles souffraient de famine à cause de l'inefficacité de la chasse. Des cas documentés de cannibalisme forcé entre membres de la tribu car mourants et affamés seraient alors le point d'origine du Wendigo, qui représente d'une certaine façon la mort qui plane sur les périodes de grand froid et de famine. Et la légende du Wendigo se serait surtout répandue depuis l'arrivée des colons européens, qui amenèrent avec eux des maladies mortelles contre lesquelles les Amérindiens n'étaient pas immunisés, alors que leurs ressources s'épuisaient de plus en plus. Le Wendigo pourrait également représenter l'excès, l'avidité et la gloutonnerie du point de vue des Algonquins, puisqu'il s'agit d'une figure destructrice jamais rassasiée. Il existe même un terme, psychose du Wendigo, un syndrome lié à la culture chez quelques familles amérindiennes qui, isolées dans leur maison en bois en plein hiver rude, avaient peur de céder au cannibalisme et de se transformer en Wendigo à cause de la faim qui les rongeait. Cependant, l'existence de ce syndrome est très fortement remise en cause, puisque des enquêtes semblent montrer qu'il n'y a aucun cas documenté pouvant attester formellement de son existence. James Woldram, un anthropologue et enseignant, dénonce d'ailleurs les raccourcis et les erreurs d'interprétation qui associent la légende du Wendigo à un simple syndrome ou une maladie mentale. Woldram explique que de nos jours, le Wendigo s'apparente à une forme de folie, et la légende tourne autour du cannibalisme, alors que le cas du Wendigo est bien plus complexe chez les Amérindiens selon lui. Il développera d'ailleurs son propos dans un livre qui étudie la psychologie des Amérindiens ainsi que les précédents travaux d'anthropologues sur le sujet. Néanmoins, le Wendigo, malgré ses nombreuses versions, se veut toujours aussi effrayant, puisqu'il surgirait au moment où l'on est le plus vulnérable, sans repère et affaibli. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce « À la découverte de l'étrange ». J'espère que cette vidéo explication sur le Wendigo vous a plu et que vous avez pu en savoir un peu plus sur le Wendigo. Nous, on se retrouvera tout prochainement pour parler d'autres vidéos. Et bien sûr, restez là parce que fin septembre, il y a énormément de strates d'horreur qui vont sortir et je prépare énormément les strates d'horreur spéciales Halloween qui sortiront le mois prochain. Alors on sera sur un contenu assez chouette et n'hésitez vraiment pas encore une fois de vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucun contenu vidéo qui sort sur la chaîne et bien sûr n'hésitez encore pas et n'hésitez vraiment pas de liker, partager pour aider à référencer les vidéos et le travail que je fais. Et en description, je vous mets les réseaux sociaux de la chaîne et de la future chaîne Twitch où nous allons faire des lives une fois par semaine. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.